Bonjour les enfants, nous allons réviser ensemble ce qu'est le partage d'une petite somme. Qu'est-ce que partager une petite somme? Eh bien, qu'est-ce qu'est le partage d'une somme? Partager une somme, c'est répartir cette somme en plusieurs tas égaux. Je vais vous donner un exemple très simple. C'est par exemple distribuer des cartes. J'ai 27 cartes et je dois les distribuer à 3 personnes. Alors, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir dessiner. Par exemple, je vais pouvoir dessiner mes 3 personnes ici. Et ce qu'on va faire, c'est que puisqu'on sait qu'on a 27 cartes, on va leur donner une carte à chacune jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. 1, 2, 3, ensuite on recommence. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Donc j'ai distribué ici mes cartes de manière égale. Tout le monde en a pareil. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai fait 3 tas de 9. En distribuant mes 27 cartes, j'ai fait 3 fois 9. Donc vous voyez que partager une somme, c'est quelque part aussi utiliser la multiplication. Et d'ailleurs, si je fais 3 fois 9, ça fait bien 27 et je retrouve bien la quantité de cartes que j'avais au départ. Donc les enfants, partager une somme quelque part, c'est aussi utiliser la multiplication pour savoir quelle va être la taille de mes tas, d'accord, de mes paquets. Okay. Donc j'ai partagé 27 en 3 parts égales et ça fait 9. Et quand je dis ça fait 9 par paquet, bien évidemment. Oui, on peut le retrouver, 3 fois 9, ça fait bien 27. Alors maintenant, nous allons pouvoir partager une somme grâce à la multiplication. Ça va aller plus vite, on ne va pas distribuer un par un tout ce qu'on a à distribuer jusqu'à pouvoir compter, on va utiliser une autre méthode. Regardez, j'ai 24 cartes et je dois les partager entre 8 personnes. Alors qu'est-ce que ça veut dire physiquement? Ça veut dire que j'ai 8 personnes, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ces 8 personnes, je dois leur donner le même nombre de cartes, et en tout, ça fera 24 cartes. Alors comment est-ce que je peux faire? Eh bien, qu'est-ce que je sais déjà? Je sais déjà que s'il y a 8, il y aura 8 fois une somme. Il y aura 8 fois quelque chose qui devra donner 24. Donc je vais chercher dans la table. 8 fois 1, c'est 8. C'est pas bon. 8 fois 2, c'est 16. C'est pas bon. Et 8 fois 3, c'est 24. Alors ça, c'est ce que je voulais partager. Du coup, en fait, maintenant je sais directement que je peux directement mettre 3 cartes par personne et que j'aurai distribué toutes mes cartes. Puisqu'en en donnant 3 à chacun, vous voyez, 3 à 8 personnes, j'ai distribué 24 cartes. Voilà. Donc maintenant, je ne suis pas obligé à chaque fois de partir de 24 et de faire 1, 1, 1, 1, 1, combien il m'en reste, hop, 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 hop. Je peux, grâce à la multiplication, distribuer directement une certaine quantité par personne. Là, c'était 3. Donc, j'ai partagé 24 en 8 par égal, et cela fait 3 par personne. Voilà. Alors les enfants, mais que faire quand mon partage ne tombe pas juste? Alors qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quand une fois qu'on a fait des tas à égalité, qu'est-ce qui se passe s'il nous reste des cartes, par exemple? Là, j'ai 16 cartes que je dois distribuer à 3 personnes. Je vais donc pouvoir utiliser la table de 3. Je vais ici dessiner mes 3 personnes, ça nous aidera à visualiser. D'accord? Je vais utiliser la table de 3 pour voir, pour chercher quelque chose, un nombre qui se rapproche de 16. 3 fois 1, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 4, ça fait 12. 3 fois 5, ça fait 15. Ah, je suis très près de 16 là. Et 3 fois 6, ça fait 18. Alors, très important,
Est-ce que je peux distribuer 18 cartes quand j'en ai uniquement 16? Non. Ça veut dire qu'il y aurait des gens qui n'auraient pas le même nombre de cartes. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux partager ma somme en donnant la même quantité de cartes à chaque personne. Donc, ce que je peux faire, par contre, je peux en distribuer 3 fois 5 déjà. Je peux en distribuer 15 parce que ça, je les ai. D'accord? Donc, je vais distribuer 5 à cette personne-là, 5 à cette personne-là, 5 à cette personne-là. Mais est-ce que j'ai distribué toutes mes cartes-là? Non, j'ai distribué 5 plus 5, 10 plus 5, 15. Et au départ, j'en ai 16. Alors, comment est-ce que je vais faire à ce moment-là? Eh bien, je vais devoir calculer combien de cartes il me reste et je le dirai dans ma phrase réponse. J'ai 16 cartes, j'en ai déjà distribué 15. Donc, 16 moins 15, 6 moins 5, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0. Il me reste une carte. Et tout simplement, je vais pouvoir dire que j'ai partagé 16 cartes en 3 parts égales. Cela fait 5 cartes par personne, d'accord? Et il m'en reste une que j'ai gardée avec moi. Voilà, vous voyez les enfants, c'est très simple. Alors, que faire si la somme que je veux partager est un peu plus grande? Je vous donne un exemple. Par exemple, on va distribuer des cartes. Et j'en ai 104 et je dois les distribuer à 7 personnes. Alors vous avez vu que jusqu'à maintenant, on a utilisé la table de multiplication pour s'aider et on a cherché le nombre qui était le plus près. Sauf que 104, vous savez très bien que on va pas pouvoir trouver 104 avec la table de 7. Puisque ce qu'on connaît de plus élevé dans la table de 7, c'est 7 fois 10. Eh bien, grâce à cela, on va tout de même pouvoir partager nos 104 cartes. Je vais vous expliquer comment et on va s'aider un petit peu du dessin. D'accord? Pour que ça soit un petit peu plus facile à comprendre. Je vais faire mes personnes qui ont distribué 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord? Voilà. Donc j'ai 104 cartes et je dois les distribuer à 7 personnes. Eh bien, je sais que 7 fois 10, c'est 70. Vu que j'ai beaucoup plus que 70, là, je sais déjà que je peux distribuer 10 cartes à chacune des personnes. Ça, je le sais. Donc, je vais pouvoir distribuer 10, 10, 10, 10, 10, 10 et 10. D'accord? Donc là, j'ai distribué 70 cartes. Donc, est-ce que j'ai toujours 104 cartes? Non, j'en ai déjà distribué 10, j'ai déjà fait mes 7 paquets et j'en ai mis 10 sur chacun de mes tas, d'accord? Sur chacun de mes paquets. Donc, dans ma main, je n'en ai plus 104. J'en ai 104 moins les 70 que je viens de distribuer. On va faire le calcul. 4 moins 0, ça fait 4. Et là, j'ai 10 moins 7, ça fait 3. Donc, il me reste 34 cartes. Pour l'instant, j'ai 34 cartes. Donc, je dois aussi distribuer ces 34 cartes en donnant à chaque fois au moins une à chaque personne. Donc là, c'est pareil. Je vais prendre ma table de 7 et je vais chercher ce qui se rapproche le plus de 34 pour savoir combien je peux donner à chaque personne. Donc, 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14, 7 fois 3, 21, 7 fois 4, 28, 7 fois 5, 35. Donc, je ne vais pas pouvoir distribuer 35 cartes s'il ne m'en reste que 34. Donc, je vais pouvoir distribuer les 28 cartes de 7 fois 4. C'est-à-dire que je vais pouvoir distribuer à chacun 4 cartes supplémentaires. Donc là, 4, 4, 4, voilà. Donc, maintenant, pour savoir combien il me reste de cartes, je vais enlever les 28 cartes que je viens de distribuer, puisque là, je viens de distribuer mes 28 cartes. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait 28. Donc, 4 moins 8, je ne peux pas. Donc, je casse une dizaine de, hop, je mets un petit 14 ici. 14 moins 8, ça fait 6. 2 moins 2, ça fait 0. Il me reste donc 6 cartes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord distribué 10 cartes à chacun. Et ensuite, j'ai enlevé ça de la somme de cartes que j'avais au départ pour savoir combien il m'en restait à distribuer. Ensuite, j'ai recherché ce qui était le plus proche de mon résultat, c'est-à-dire qu'il m'en restait 34. Je suis allé chercher 28 en disant, je peux encore en distribuer 4 à chacun, j'en aurais distribué 28. Et donc, j'ai réparti mes 4 à chacun et j'ai encore enlevé mes 28 aux 34 que j'avais. Et il me reste 6 cartes.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé 104 cartes en 7 parts égales. Cela fait 14 cartes par personne. Et il m'en reste 6 que je garde avec moi parce que je n'en ai pas suffisamment pour en distribuer une à chacun. Si j'en avais eu 7, j'aurais pu en distribuer encore une à chacun. Mais je ne les ai pas, j'en ai que 6. Voilà, j'espère que vous avez compris. C'était un petit peu plus compliqué, mais vous voyez, c'est pareil. Voilà les enfants, on va faire des exercices où on va justement essayer de partager des sommes. Je vous donne deux sommes à partager, une qui n'est pas très grande et une qui est un petit peu plus conséquente. À vous d'essayer de les partager. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la vidéo en pause. Puis quand vous aurez mis la vidéo en pause, vous allez essayer de faire l'exercice sur votre cahier. Et puis quand vous avez terminé, vous remettrez la vidéo en lecture et puis on essaiera de corriger ensemble. Donc vous avez 65 jetons que vous devez partager en 7 tas les plus égaux possibles, d'accord? Enfin, 7 tas égaux, puis il restera peut-être quelque chose ou pas. Et vous avez 183 cartes que vous devez distribuer entre 8 personnes différentes. Alors faites pause dans 3, 2, 1, pause. Eh bien les enfants, si vous avez remis cette vidéo en lecture, c'est que vous avez essayé de faire cet exercice. J'espère que vous êtes y arrivés. De toute façon, nous allons le corriger ensemble. Alors j'ai 65 jetons que je dois partager en 7 parts égales. Alors je vais utiliser ma table de 7 pour voir ce qui est le plus proche de 65. Est-ce que je peux faire 7 fois 1? C'est pas assez. Ça fait 7. 7 fois 2, ça fait 14. Ce n'est pas assez. 7 fois 3, ça fait 21. Ce n'est pas assez. 7 fois 4, ça fait 28. 7 fois 5, ça fait 35. 7 fois 6, ça fait 42. 7 fois 7, ça fait 49. D'accord? 7 fois 8, ça fait 56. Alors, je commence à noter par là parce qu'on n'est pas trop loin. 7 fois 8, ça fait 56. 7 fois 9, ça fait 63. Et vous savez que 7 fois 10, ça fait 70. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser ça, c'est trop petit. Là, on est en dessous 65, donc c'est pas mal intéressant. On sait déjà qu'on peut faire 7 tas de 9. On sera proche de la somme que l'on veut partager. 7 fois 10, ça fait 70. Par contre, c'est trop grand. Donc, c'est bien 7 fois 9 qu'on peut utiliser. Je peux donc déjà faire 7 parts de 9. Ou 7 tas de 9. Mais est-ce qu'il va me rester des jetons? Oui, puisque j'en avais 65. D'accord? Et que je n'ai pu en distribuer pour l'instant que 63. Donc 65 moins 63, 5 moins 3, ça fait 2, 6 moins 6, ça fait 0. 7 parts de 9, et il en reste 2. Voilà. Comment vais-je faire pour distribuer, effectivement, 183 cartes entre 8 personnes? Eh bien, c'est un nombre qui est un petit peu plus gros que ce qu'on a l'habitude de faire, et on sait qu'on est au-delà, effectivement, de la table de 8 que l'on connaît. Puisque la table de 8 que l'on connaît, on sait que 8 fois 10, c'est le maximum que l'on connaisse, c'est 80. Eh bien, nous allons nous servir de ça. On va déjà distribuer 10 cartes, d'accord, à chaque personne. Donc, on en a 183. Si j'en distribue 10 à chaque personne, j'en distribue déjà 80. Moins 80, il va m'en rester 3 moins 0, 3. 8 moins 8, 0. 1 moins 0, 1. Il m'en reste 103. Donc, j'en ai déjà distribué 10 par personne, soit 80, il m'en reste 103. J'en ai plus que 80. Donc, je peux encore en distribuer 10 à chaque personne. OK? Donc là, encore 80. Donc, je vais encore enlever 80. 103 moins 80, 3 moins 0, 3. 0, enfin, 0 moins 8, je ne peux pas le faire, mais on a une dizaine à côté, donc ça fait 10 moins 8, ça fait 2. Donc pour l'instant, j'en ai distribué 10 plus 10, j'en ai distribué 20 à chaque personne. Et il m'en reste 23. Et je vais tout simplement prendre ma table de 8 et chercher ce qui se rapproche le plus de 23. 8 fois 1, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. 8 fois 3, c'est 24.
Donc 24, je ne peux pas en distribuer 24 puisque j'en ai que 23 malheureusement. Par contre, je peux encore en distribuer 8 fois 2, c'est-à-dire 2 à toutes les personnes. D'accord? Et là, ça sera 16. J'en aurai distribué 16. Donc, je peux enlever 16 aux 23 qui me restent. Alors, combien ça fait? Alors, 3 moins 6, je ne peux pas le faire, mais je peux mettre 1 comme ça ici. Tac. 13 moins 6, ça fait 7. 1 moins 1, ça fait 0. Et il m'en reste 7. D'accord? Donc, combien est-ce que j'ai distribué à chaque personne? 10 plus 10, ça fait 20. Plus 2, ça fait 22. Donc, pour l'instant, j'ai fait 8 parts égales de 22 cartes. 8 tas de 22 cartes, puisque j'en ai d'abord distribué 10, et encore 10, ça fait 20, et j'en ai encore donné 2 à chaque personne, ça fait 22 à chaque personne. Et il en reste. Et il en reste. Combien on a dit? 7. Voilà. Eh bien, j'espère les enfants que vous avez compris, puis je vous souhaite bien du courage pour la suite, et à bientôt.